commençons par la prière. Père Céleste, nous te remercions pour la vraie science, nous te remercions pour la Bible, et alors que nous examinons à nouveau ces choses, nous prions que ta présence nous guide, que tu sois avec nous, et que tu m'aides à uniquement prononcer des mots qui vont te glorifier au nom de Jésus. Amen. L'âge de la terre et les méthodes de datation. Il nous a été dit pendant des années, vous savez, ils ont trouvé différents chiffres sur l'âge de l'univers, en quelque sorte. Ils ont été ça et là, mais en fait, ça a beaucoup bougé, des milliards et des milliards d'années. Mais l'âge de la Terre, maintenant, quel âge est la Terre et comment est-ce qu'on peut savoir? Par exemple, si on regarde une masse terrestre comme celle-ci, et qu'on regarde ça et on se dit, « Waouh, il y a beaucoup d'herbes vertes sur le rivage, une structure de type montagneuse », et on regarde ça, on dit, « Mais quel âge ça peut avoir? Est-ce que ça a 1 milliard d'années? Est-ce que ça a 1 million d'années? Est-ce que ça a 1000 ans? Est-ce que ça a 100 ans? Est-ce que ça a 50 ans ? » Comment on pourrait savoir en le regardant? Est-ce qu'en le regardant, on peut déterminer l'âge? La réponse est non, on ne peut pas, simplement en le regardant. On se dit 50 ans, je suis sûr que ça n'a pas 50 ans, mais que se passerait-il si vous découvriez qu'en fait, ça n'avait que 50 ans? Cette année, j'ai vécu en Islande pendant un moment, et derrière ma tête, vous pouvez voir une structure en type de poêle à frire, c'est l'île de Cersei. Maintenant, quel âge a cette île? Je veux dire, c'est intéressant de penser qu'en 1960, il n'y avait pas d'île de Cersei. Puis, quelques années plus tard, vous avez une éruption volcanique hors de l'océan. Et au fur et à mesure qu'elle monte, elle crée cette île. Et presque immédiatement, l'herbe a poussé sur l'île. En quelques années, vous aviez des oiseaux qui nichent sur cette île. On aurait dit qu'elle ressemblait à n'importe quelle autre île en Islande. On pense avoir des milliers et des milliers d'années. Pourquoi on connaît l'âge de Cersei qui a environ 50 ans? C'est parce que les gens l'ont vu se former. C'est la seule raison pour laquelle on connaît son âge. Je ne sais pas s'ils ont fait des datations radiométriques. Je pense qu'ils ne l'auraient pas fait parce que ça montrait probablement que ça arriverait à des millions et des millions d'années. On n'arriverait pas à 50 ans. Mais ils ne le feront pas. Et on va voir pourquoi alors qu'on avance. Alors quand on parle de cette île de Cersei, ça ressemble à n'importe quelle partie de l'Islande qu'on pense avoir des milliers et des milliers d'années. Donc la question est de savoir comment est-ce qu'on peut déterminer l'âge de quelque chose, c'est ce dont on parle. Regardez ici, le géologue islandais Sigur Purarinsson dit que les géologues au printemps et à l'été 1964 se sont interrogés sur l'île. Ils ont eu du mal à croire qu'il s'agissait d'une île dont l'âge était encore mesuré en mois et non en années. Aurait pu prendre des milliers d'années, peut être accompli en Islande simplement en un siècle à Cersei. Le même développement peut prendre quelques semaines ou même quelques jours. Ce qui signifie qu'une île s'est formée en quelques jours. Je veux dire, en quelques jours, vous n'aviez pas d'île. Ensuite, vous avez une île avec, en quelques mois, quelques semaines, en quelques mois, vous aviez de l'herbe qui pousse et qui ressemble à n'importe quelle autre masse terrestre de la structure insulaire de l'Islande. C'est très, très intéressant. Je veux dire, regardez, c'est une photo qui a été prise depuis un avion alors qu'elle était, je ne sais pas si on utilise ce mot, mais alors que l'île est née hors de l'océan à partir de l'activité volcanique. Et là, on la voit très rapidement. Elle ressemblait à n'importe quel autre endroit en Islande. Donc, vous ne pouvez pas dire nécessairement, en regardant à quelque chose exactement quel âge il a, c'est difficile à dire, et parce que cela peut donner un âge apparent, une perspective apparente. On dirait que c'est vieux, mais ça peut être en fait très, très jeune. Maintenant, regardons quelque chose, l'une des plus grandes preuves que la Terre a des millions, voire des milliards d'années, c'est ceci, juste ici, rien d'autre que le Grand Canyon. J'ai eu l'occasion d'y aller quelques fois, un magnifique endroit, et les gens regardent cela et se disent, vous avez cette rivière en bas là, et évidemment, c'est l'idée. Lentement, elle a coupé à travers ces rochers sur des millions et des millions d'années. Vous savez, même, ils ont mis dans les manuels, rappelez-vous, on met les choses comme un fait absolu dans les manuels. Des millions et des millions d'années, le fleuve Colorado a creusé le Grand Canyon dans la roche. Et vous voyez une petite rivière au fond de ce Grand Canyon, on se dit, waouh, ça a dû prendre des millions et des millions d'années. Et donc, ça sonne bien, ça semble vrai. Et rappelez-vous, on a déjà parlé du fait que celui qui énonce son cas en premier semble avoir raison jusqu'à ce que l'autre vienne et l'examine. Donc, nous allons faire cela, nous allons regarder à cela. Mais regardez ce que disent les manuels. Il est dit, le fleuve Colorado a coupé à travers des couches et des couches de roches pendant des millions d'années. Donc, il a coupé couche par couche. Le seul problème, c'est que si vous regardez à cette magnifique image qu'on a ici, en fait, c'est très simplifié, mais regardez, c'est en quelque sorte l'idée. Sur la partie droite de l'écran se trouve l'endroit où la rivière Colorado entre dans le canyon.
Donc elles entrent et les rivières coulent toujours en descente. C'est assez évident, je veux dire, on sait ça, on n'a pas de rivière qui remonte. Ça n'arrive pas à cause de la gravité. La chose intéressante, c'est que si vous remarquez que la rivière descend, mais la rivière, la montagne, elle monte. Donc on doit comprendre, probablement il y a quelques options. Soit cette rivière montait dans le passé et elle a traversé la montagne, ou quelque chose d'un peu différent de leur perspective, que la rivière a traversé les couches à travers des millions et des millions d'années. Quelque chose a dû avoir lieu. Et je pense que vous pouvez comprendre cela. Parce que la rivière parcourt environ 270 miles, alors que la rivière Colorado entre dans le canyon à 2800 pieds d'altitude et elle descend. Mais la pente jusqu'au Grand Canyon arrive à 6900 voire 8500 pieds. Donc évidemment, la montagne monte et la rivière descend. La rivière, à un moment dans le passé, soit ça a pris des millions et des millions d'années, la rivière a dû monter pendant un certain temps pour traverser la montagne. On dit ça n'a aucun sens. Et bien sûr, on a raison de se dire ça. C'est pourquoi l'idée que ça a coupé les couches sur des millions et des millions d'années n'a aucun sens non plus. Il doit y avoir une autre option. Peut-être que quelque chose différent s'est produit. Je veux que vous puissiez imaginer juste un instant que la partie droite de l'écran ici, imaginez qu'elle était remplie d'eau et que les montagnes là étaient comme un barrage. Donc vous avez une sorte de piscine derrière sur la partie droite de l'écran. Vous avez un lac géant derrière les montagnes. Que se passerait-il si ce lac éclatait sur la montagne et alors qu'il traverse la montagne, il créait ce que nous verrions comme ce qu'on appellerait un grand canyon. Et vous dites, waouh, mais comment est-ce que ça pourrait arriver? Et bien regardez un exemple. Ici, le barrage Titan. Et lorsque le barrage s'est rompu, on peut voir là la forme en V en haut près du sommet. Alors que le barrage se rompt, l'eau se précipite. Et alors qu'elle se précipite, vous voyez, elle déchire. Et c'était un barrage avant. Mais quand le barrage se brise, qu'est-ce qu'il passe à la fin? Après que le barrage ait été rompu, regardez ce que vous avez là. Vous avez, c'est pas aussi grand que le Grand Canyon, mais vous avez un Grand Canyon néanmoins. Et remarquez, vous avez une rivière qui coule au fond d'un canyon. Et à quoi est-ce qu'elle ressemble? Les scientifiques, s'ils venaient aujourd'hui, personne n'avait jamais vu le barrage qui s'est rompu, ils pourraient regarder cela et se dire, ok, la rivière s'érode, je ne sais pas, disons simplement 2 pouces de matière du sol par année. J'invente les chiffres, je ne sais pas, mais on dit que ça s'érode à 2 pouces par an. À ce rythme, 2 pouces par an, combien faudrait-il pour que ce canyon se soit formé? Ils peuvent extrapoler dans le temps, on a dit, waouh, ça a pris 7000 ans ou quoi que ce soit. Mais si vous n'étiez pas là, vous ne sauriez pas, vous auriez pu penser cela, mais la réalité, c'est que de la même manière, en ce qui concerne le Grand Canyon, il n'y a aucun moyen pour que la rivière puisse remonter. Et la réalité, c'est qu'il a dû y avoir une sorte de barrage. On ne sait pas, on suppose. Mais qu'est-ce qui d'autre aurait pu se passer? La réalité, c'est que s'il y a eu un déluge massif, comme le dit la Bible, qu'est-ce qui se serait passé? Si vous aviez ces grandes piscines et ces montagnes qui retenaient ces grands lacs, si il y a une brèche qui a été faite dans un de ces barrages, on pourrait faire quelque chose comme le Grand Canyon, en particulier avec cette pierre molle. Ça arrive très très rapidement. Le fait est que plusieurs fois, il pourrait y avoir un autre côté de l'histoire auquel on ne pense jamais. Soit cette rivière coulait vers le haut, ça ne peut pas arriver, c'est impossible. Il y a dû avoir quelque chose de plus catastrophique qu'une simple rivière qui coule au fond d'un canyon. Et peut-être elle n'est pas si douce, mais par rapport à ce qui lui aurait pu arriver s'il y avait un grand déluge qui éclatait le barrage. Maintenant, parlons de la datation radiométrique et l'âge de la Terre. On va regarder, on ne va pas commencer par la perspective créationniste. On va regarder à ce que disent les évolutionnistes. On va lire ce qu'ils disent. On va voir que la plupart des jeunes, s'ils vont dans une école laïque, ils ont dû voir ces choses. De quoi on parle? La datation radiométrique. Il est dit dans Physical Science, nous lisons ici, les scientifiques expriment le taux de désintégration d'un isotope radioactif en termes de demi-vie. Le laps de temps nécessaire pour que la moitié des noyaux parents d'un échantillon se désintègre, parce que le taux de désintégration d'un isotope donné reste une constante, ce qui signifie que ce n'est pas affecté par la température, la pression ou l'environnement chimique. La radioactivité peut être utilisée comme une horloge pour mesurer la marche du temps géologique. Plus la roche est ancienne, plus le rapport de la quantité de parents radioactifs à la fille stable est petite. Donc nous avons cette image qui dit, par exemple,
L'uranium-238 a une demi-vie de 4,46 milliards d'années pour sa désintégration en plomb-206. Ce qui signifie que pour chaque 1000 atomes d'uranium-238 présents en Irak, il y a 4,46 milliards d'années, seuls 500 grammes d'uranium-238 s'y trouvent encore aujourd'hui. Et 500 atomes de plomb-206 se sont formés. En gros, ce qui se passe, c'est que vous avez l'élément parent. Par exemple, dans ce cas, vous avez l'uranium-238. Et donc, si vous avez 1000 grammes de la substance et tout est de l'uranium-238, alors ces 1000 atomes après la demi-vie, vous avez 500 atomes, c'est simple. Donc, en quelque sorte, on peut comprendre s'il y avait 1000 grammes, maintenant il y a 500 grammes, puis il y a 250 grammes, vous pouvez commencer à dire très rapidement, ok, voici l'âge de cette substance, selon la théorie. Maintenant, ils ont proposé l'idée que la Terre a environ 4,6 milliards d'années. Eh bien, ces choses qu'on enseigne, c'est les soi-disant faits qu'on vient d'examiner selon les scientifiques. Ce n'est pas selon la Bible, en fait, ils contredisent la Bible. Mais posons-nous la question. La Bible dit dans Proverbe 18, verset 17, on l'a déjà dit, « Celui qui déclare son cas en premier jusqu'à ce que le deuxième vienne et l'examine. » Donc, c'est ce qu'on leur a appris, c'est ce qu'on nous a appris en tant qu'enfants, et jusqu'à ce qu'on soit assez vieux pour les comprendre, c'est un côté de l'histoire, et celui qui déclare son cas en premier semble avoir raison, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre vienne et l'examine. Donc, posons-nous la question, est-ce que cette idée de l'âge de la Terre est un fait, ou est-ce qu'il y a de la foi mélangée avec quelques faits? Certains, deux, trois choses peuvent être vraies, et ensuite on mélange un peu de foi pour arriver à un système de croyance problématique. Examinons cela. Maintenant, il y a un certain nombre d'hypothèses dans cette idée, et ces hypothèses peuvent nous conduire sur la mauvaise voie. Quelles sont les hypothèses? Numéro 1. Chaque système doit être un système fermé, c'est-à-dire que rien ne peut contaminer ni le produit parent ni le produit fille pendant qu'ils traversent leur processus de désintégration. Ce que signifie, c'est que vous avez de la roche et elle contient des éléments radioactifs. Et évidemment, vous avez certains des noyaux parents et certains des noyaux filles dans cette roche. Et ce que nous devrions croire, c'est que cette substance est totalement coupée. Elle est scellée de telle manière qu'aucun autre élément n'y a jamais, jamais, jamais été introduit, qui compromettrait le processus de décomposition. Dans un sens, peut-être que des noyaux parents ou des noyaux filles ont été ajoutés. On dit que ça n'arrive jamais. Vous devez imaginer que c'est vrai. Mais comment est-ce qu'on peut savoir? Numéro 2, chaque système ne doit initialement contenir aucun des éléments filles. Ce que ça signifie, c'est que l'uranium qui se transforme en plomb, aucun plomb 206 n'a jamais pu être dans le produit d'origine, sans quoi ça annulerait tout le système. On ne saurait pas, mais que se passerait-il s'il y avait du plomb au début? Ça vous rendrait confus et vous penseriez que c'est plus ancien que ça ne l'est en réalité. Pas vrai? C'est très simple. Mais numéro 3, le taux de traitement doit toujours avoir été le même et le taux de désintégration ne doit jamais avoir changé. Maintenant, ils disent, oui, c'est une chose solide, mais comment est-ce qu'on sait? On n'était pas là. Comment est-ce qu'on peut savoir? On n'était pas là depuis 4,6 milliards d'années. C'est l'âge qu'ils prétendent que la Terre a. Donc, comment est-ce qu'on peut savoir? On ne peut pas savoir avec certitude, mais pour chacune de ces choses, on doit supposer. Mais maintenant, que se passerait-il si toutes ces choses étaient fausses? Ça signifierait que ça annulerait tout le processus de datation. Mais nous sommes convaincus par la foi que ça doit être vrai. Maintenant, je ne doute pas pendant une seconde qu'ils peuvent prendre réellement une roche et découvrir combien d'éléments parents il y a dedans, combien d'éléments filles il y a dedans. Je pense qu'ils peuvent faire cela avec beaucoup de précision, mais ils ne savent pas avec certitude si l'une de ces variables a été modifiée au cours de l'histoire. Personne ne le sait. Certains créationnistes voulaient vraiment tester certaines de ces choses à une certaine mesure et ils se sont appelés le projet RATE, le projet âge de la Terre par radioisotope. Maintenant, ces individus se sont réunis et ils n'ont pas daté ces choses par eux-mêmes. Ils ont envoyé des pierres à des instituts de datation laïques pour qu'ils puissent les dater et ils ont trouvé des choses très intéressantes. Regardons ce qu'ils ont découvert. Les géologues croient que l'unité rocheuse des montagnes Beartooth contient certaines des roches les plus anciennes des États-Unis, avec un âge estimé de 2790 millions d'années, environ 2,8 milliards d'années. Le tableau suivant résume les résultats. En résumé, ce qui s'est passé, c'est que cette équipe, la datation de la Terre par radioisotope,
ces créationnistes ont pris des rochers de la montagne Bertouf, les évolutionnistes ont déjà déterminé l'âge de ces rochers, c'est 2,8 milliards d'années. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que ces créationnistes ont obtenu certaines des roches et les ont envoyées dans un laboratoire non chrétien pour qu'ils les datent et voient avec quelle date ils arriveraient. Voici le tableau qui nous montre certaines des dates qu'ils ont trouvées. Ils ont trouvé des dates allant de 1520 millions d'années à 2,8 millions d'années. Maintenant, ça devrait être le même âge, mais regardez ce que nous lisons ici. Il est dit, les résultats montrent une dispersion significative dans les âges pour les différents minéraux et aussi entre les méthodes isotopiques. Dans certains cas, l'âge de la roche entière est supérieur à l'âge des minéraux et pour d'autres, l'inverse se produit. Le résultat des minéraux de potassium d'argon varie entre 1520 à 2620 millions d'années, une différence d'environ 1,1 milliard d'années, soit une différence de 1100 millions d'années. Donc ce qu'ils disent, c'est que les dates varient pour les mêmes roches de plus d'un milliard d'années. Donc comment est-ce qu'on sait qui a raison? Je veux dire, un milliard d'années, c'est long quand même. Même dans le temps géologique de la Terre n'a selon eux que 4,6 milliards d'années. Et nous découvrons que leur date varie d'un milliard d'années. Je veux dire, c'est long. La réalité, c'est que les méthodes de datation elles-mêmes peuvent donner des dates variables. En fait, c'est encore pire que ça. Remarquez ça, ça c'est fascinant pour moi. Ça, c'est une montagne appelée le mont Angar Ahoy. Il est dit qu'11 échantillons d'andésite ont été prélevés du mont Angar Ahoy sur l'île nord de la Nouvelle-Zélande. Ce qui s'est passé en résumé, c'est que le même groupe de personnes, le projet RATE, ils ont prélevé de la lave de ce volcan Angar Ahoy et ils ont pris ces échantillons et ils savaient quel âge avaient les échantillons parce que durant les 100 dernières années, il y avait eu des éruptions volcaniques et donc ils ont pris et ils savaient exactement quand est-ce qu'étaient les éruptions. Ils ont pris des morceaux, ils ont dit ok, on sait que celui-là a environ 60 ans, celui-là a 50 ans et donc ils pourraient réellement tester pour voir si les méthodes de datation étaient exactes. Donc ils ont envoyé les roches, ils savaient quel âge avaient les roches parce que les gens les avaient vus sortir de l'éruption et donc découvrons quelles étaient les dates. Ils connaissaient l'âge de toutes ces roches. Cette lave avait moins de 100 ans, tous les rochers. En fait, moins de 75 ans. Donc, ils ont envoyé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le projet radioisotope âge de la Terre du mont Angar Ahoy, le volcan en Nouvelle-Zélande, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont pris des échantillons de 1949, plusieurs de différentes dates en 1954, et ils ont aussi pris des échantillons en 1975. Ils devaient donc trouver des dates. Si vous mesurez les dates, ils devaient trouver des dates qui sont proches de ça. Je veux dire, s'ils étaient en retard par quelques années, on peut comprendre, mais ça devait être 1950, 1975, et ainsi de suite. Mais regardez les vraies réponses qu'ils ont trouvées. Ils ont envoyé les pierres, pas à un groupe chrétien, ils les ont envoyées dans le laboratoire Geocrane à Cambridge. Voici ce qu'on leur a envoyé. Ils ont dit, voici les dates qu'ils leur ont renvoyées, que 4 des rochers avaient moins de 270 000 ans, 1 avait moins de 2900 ans, 1 avait 800 000 ans, 3 avait 1 million d'années, 1 avait 1,2 million d'années, 1 avait 1,3 million d'années, 1 avait 1,5 million d'années, 1 avait 3,5 millions d'années. Maintenant, laissez-moi vous poser la question. Est-ce qu'ils étaient assez proches? Qu'ils étaient assez proches pour dire qu'ils avaient 50 ans ou pas? Aucune de leurs réponses n'était proche du tout. Et vous savez, quelqu'un m'a dit, eh bien, tu sais, c'est parce que ils utilisent la datation de l'argon potassium et la datation de l'argon potassium n'est censée qu'être utilisée pour les choses très très vieilles. Mais laissez-moi vous demander, si ça ne fonctionne pas pour les choses qui sont jeunes, pourquoi ça fonctionnerait pour les choses qui sont vieilles? Et la réalité, c'est que vous ne pouvez que supposer que ça ne marche pas quand les choses sont jeunes, mais alors que ça marche quand les choses sont vieilles. Comment est-ce qu'on peut savoir? Comment on peut le prouver? Le fait est qu'on ne peut pas le prouver. On ne peut pas le prouver que c'est vrai. Quelque chose ne fonctionne pas avec ça. Aucune des dates n'était proche d'être exacte. Aucune d'entre elles. Maintenant, regardez ça avec moi pendant un moment. Dans tous les cas, les dates étaient décalées de près de 250 000 ans à 3,5 millions d'années. Maintenant, je comprends que dans toute expérience scientifique, il y a une marge d'erreur. Vous savez, il y a toujours une marge d'erreur. On peut s'attendre à cela. Mais dans ce cas particulier, la marge d'erreur était de 7 millions de pourcents. 7 millions de pourcents. Maintenant, je comprends, il y a une marge d'erreur, mais 7 millions de pourcents. Dans ce cas, on sait quel âge ça a et ça a été décalé de 7 millions de pourcents. Mais si on ne savait même pas l'âge que ça avait dès le début,
Ce qui se passe, c'est que les scientifiques, quand ils ne savent pas quel âge ça a, ils supposent que la méthode de datation fonctionne. Mais quand on sait l'âge de quelque chose, la méthode de datation ne fonctionne pas du tout. Ce qui est très intéressant. Mais vous n'allez jamais trouver ça dans les manuels à l'université ou au lycée. Ça va être énoncé en tant que fait scientifique. Vous n'entendrez pas l'autre côté de l'histoire. C'est ce que nous essayons de présenter, un peu plus d'informations que vous n'entendriez dans vos manuels de science. Souvenez-vous, on ne réduit pas la science. La science est une chose merveilleuse. Par contre, la foi avec un faux vernis de science qui s'appelle l'évolution, qui cause des problèmes, c'est ce dont nous parlons. Quelqu'un a dit, mais qu'en est-il de la datation carbone 14? Beaucoup de gens qui ne sont pas très versés dans la datation radiométrique imaginent qu'on date l'âge de la Terre avec le carbone 14. Mais ce n'est pas le cas. Le carbone 14 n'est utilisé que pour dater des choses qui sont censées, ce qu'ils appellent des choses jeunes. Je vous donne un exemple. Le carbone 14 a une demi-vie de 5730 ans. Eh bien, ce qui se passe, c'est que si vous avez une boule solide de carbone 14, ou même si la planète entière était une boule solide, ce qu'ils disent, c'est que en 100 000 ans, il n'y aurait plus de carbone 14, ce qui signifie qu'il se serait désintégré entièrement en 100 000 ans, donc il n'en resterait plus. Ce que signifie, c'est que vous n'utiliserez jamais la datation de carbone 14 pour dater quelque chose qui est plus vieux que 100 000 ans. On ne fait pas ça, on utilise d'autres méthodes de datation, comme le datation argon, la datation au plomb, la datation rubidium-strontium. Ils utilisent d'autres choses pour dater ce qui s'appelle des choses anciennes. Mais vous voyez, ils n'utilisent jamais la datation au carbone 14 pour dater quelque chose qui a plus de 100 000 ans. On voit ça ici. Pour dire cela d'une autre manière, tout matériau contenant du carbone qui est vraiment plus vieux que 100 000 ans devrait être mort de carbone 14. Avec des niveaux de C14 en dessous des limites de détection. C'est-à-dire, si quelque chose contient du carbone 14, on peut deviner que ça a moins de 100 000 ans. Est-ce que vous comprenez? Si on voit qu'il y a du carbone 14, c'est qu'il y a moins de 100 000 ans. Sans quoi, le carbone 14 se serait totalement désintégré, parce que c'est le temps qu'il faut pour que ça se désintègre. Donc réfléchissons à ça un instant. Donc tout ce qui contient du carbone 14 dedans doit avoir moins de 100 000 ans. Eh bien, le projet RATE, encore une fois, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils voulaient voir, ils voulaient regarder dans les diamants. Les diamants sont considérés comme ayant des millions, voire des milliards d'années, millions ou milliards d'années. Évidemment, s'ils étaient si vieux, combien de carbone 14 il y aurait dedans? Rien, parce qu'après 100 000 ans, il n'en resterait plus. Donc, ils pensent que les diamants, des millions ou des milliards d'années, c'est ce qu'ils croient, pas le projet RATE, mais les évolutionnistes, ils pensent que, clairement, ils doivent avoir des millions ou des milliards d'années. Donc, le projet RATE, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris ces plusieurs échantillons de diamants, ils ont dû être écrasés et détruits. Plus personne ne pouvait les utiliser après. Ils les ont fait analyser pour savoir s'il y avait du C14 dedans. Rappelez-vous, on pense qu'ils ont des millions ou des milliards d'années. Regardez ce qu'on trouve. Les diamants sont généralement supposés avoir des millions d'années, voire des milliards. Cet âge vaste est basé sur la datation radioisotope, des inclusions parfois trouvées à l'intérieur des diamants. Les diamants sont également la substance naturelle la plus dure sur Terre. Si, par conséquent, ils sont par conséquent très résistants à l'altération chimique ou à la contamination. La température de fusion du diamant est environ 4000 degrés Celsius, beaucoup plus élevée que les métaux communs. Le carbone dans le diamant est supposé être resté enfermé de tout échange dans l'atmosphère depuis le début de l'histoire de la Terre. Donc ils disent que ces choses doivent avoir des millions ou des milliards d'années, une substance très dure, etc. Mais remarquez ce qu'ils ont découvert. En analysant réellement les diamants, en les brisant, et les scientifiques eux-mêmes, pas les créationnistes, ils les ont envoyés dans des laboratoires pour qu'ils les analysent. La teneur en carbone 14 mesurée dans les 12 diamants est présentée dans le tableau 3.3, similaire au résultat précédent pour le charbon. Les 12 échantillons de diamants ont des teneurs en carbone 14 détectables. C'est très intéressant. Donc s'il y a du carbone 14 dans les diamants qu'on pense avoir des millions ou des milliards d'années, cela signifie que les diamants doivent en fait avoir moins de 100 000 ans. Pas vrai? Ça signifie que les choses que les scientifiques pensent avoir des millions ou des milliards d'années semblent en fait avoir moins de 100 000 ans. Ce que je dirais qui ressemble plus à ce que dit la Bible, à une période de temps plus jeune, plus proche de 6 000 ans. C'est pas exactement ça, c'est un peu plus vieux, mais pas grand chose. Donc ça s'harmonise. Vous voyez, les choses qu'ils pensent être très anciennes, quand on entend un côté de l'histoire, on s'est dit, oh, c'est les faits, on peut rien faire, c'est les faits. Mais quand on entend un autre côté de l'histoire, on se dit, mais mince, ça ne peut pas être plus vieux que 100 000 ans, c'est très très intéressant. Allons un peu plus loin.
L'une des choses intéressantes, c'est quand vous pensez aux dinosaures. Les dinosaures eux-mêmes, vous attendriez à... Si vous trouvez un os de dinosaure, il n'y aurait aucun matériel mou dans les os. On ne pourrait pas trouver l'ADN ou ce genre de choses. Mais l'une des choses fascinantes, c'est que maintenant, les os de dinosaures, par les scientifiques typiques, sont considérés comme vieux de millions d'années, sans aucun doute. C'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils croient plutôt. Mais le fait est que je ne crois pas à ça. Je crois en une terre jeune, tout comme la Bible le révèle. Si on regarde les dates des personnes, Adam étant le premier homme, et ça ne va pas plus loin que ça, mais je veux que vous puissiez réfléchir à ça un instant. C'est tiré de Science Daily, il est dit qu'un paléontologue d'un nouvel état découvre des tissus mous dans des os de dinosaures. Des tissus mous dans des os de dinosaures, des tissus mous. Regardez cela dans l'article ici. Il y a des vaisseaux ramifiés trouvés dans la matrice osseuse. Celui en haut, c'est le Tyrannosaurus rex. Et en bas, c'est une autruche. Remarquez, ils ont presque l'air identiques. Ce qui signifie que si vous vouliez ouvrir l'os d'une autruche, vous découvririez des tissus mous. Si vous alliez voir un os de dinosaure, vous l'ouvriez et vous verriez des tissus mous également. Vous commencez à penser, mais comment est-ce que peut y avoir des tissus mous dans quelque chose qui a 65 millions d'années? C'est une très bonne question. C'est ce que vous devriez faire. Vous devriez remettre en question les choses que vous entendez. Maintenant, remarquez, dans Science Daily, le docteur Mary Schweitzer, professeure adjointe de paléontologie, avec une nomination conjointe au musée des sciences naturelles de la Caroline du Nord, a réussi à isoler les tissus mous de fémur d'un dinosaure vieux de 68 millions d'années. Non seulement les tissus est en grande partie intact, il est toujours transparent et pliable. Des structures intérieures microscopiques rassemblant des vaisseaux sanguins et même des cellules sont toujours apparentes. Donc il y a des tissus mous et même des cellules trouvées dans l'os de dinosaure qu'ils disent, gardez à l'esprit, qu'ils disent avoir 68 millions d'années. Un os de 68 millions d'années a des tissus mous, tout comme vous le trouveriez presque chez un animal qui est mort récemment. Regardez ce qu'ils disent. Jennifer Whittemeyer a isolé des tissus organiques mous d'un os de la jambe d'un Tyrannosaurus rex vieux de 68 millions d'années. Et Schweitzer a ensuite dupliqué ses découvertes avec au moins trois autres spécimens de dinosaures bien conservés. Un hadrosaure de 80 millions d'années et deux tyrannosaures de 65 millions d'années. Tous ces spécimens avec des vaisseaux conservés, regardez, ça ne s'est pas produit une fois, ça s'est reproduit plusieurs fois avec plusieurs animaux. Et ils pensent que certains d'entre eux ont plus de 80 millions d'années. Et il est dit que tous ces spécimens avec des vaisseaux préservés, des structures ressemblant à des vaisseaux ou des matrices flexibles qui ressemblent au collagène osseux des spécimens modernes. Continuons de lire pour voir leurs conclusions. Voici ce qu'ils pensent. L'article dit « Les théories actuelles sur la préservation des fossiles soutiennent que les molécules organiques, regardez ça à nouveau, la date, ne devraient pas se conserver au-delà de combien de temps? Au-delà de 100 000 ans. » Ce qu'ils disent, c'est que si vous aviez un os d'animal, et cet os d'animal avait des tissus mous. Les tissus mous ne devraient pas durer plus de 100 000 ans. Vous pouvez donc deviner que ces animaux avaient en fait moins de 100 000 ans. Ce qui est beaucoup plus proche de la chronologie biblique que les 68 ou 80 millions d'années qu'ils appliquent à ces os. Parce que les méthodes de datation peuvent avoir de graves inexactitudes comme nous l'avons vu. La chose intéressante, c'est qu'ils disent les théories actuelles sur la préservation des fossiles soutiennent que les molécules organiques ne devraient pas se conserver au-delà de 100 000 ans. Mais ensuite, ils disent « Oh, ben, on doit se tromper, je pense que les tissus mous peuvent se conserver pendant 80 millions d'années. » Mais non, peut-être que la raison, c'est que la théorie est fausse. Et peut-être qu'on peut commencer à voir que la Terre est beaucoup plus jeune, que ces dinosaures ont vécu avec l'homme à un moment dans l'histoire de la Terre. Et donc, ils ont des tissus mous, même aujourd'hui, parce qu'en réalité, ils n'ont que quelques milliers d'années. Pas vrai? Et donc ils disent, oui, on imaginait qu'ils devaient avoir moins de 100 000 ans, mais en fait non, on rejette ça parce qu'on croit simplement qu'ils ont 80 millions d'années, ou 68, ou n'importe quoi. Mais le fait est que, se pourrait-il que parce que les évolutionnistes ont regardé dans une direction et ont cru quelque chose avec des trous majeurs, que même quand ils voient une nouvelle lumière, de nouvelles informations, une nouvelle science, ils disent, mais comment est-ce que ça pourrait durer 80 millions d'années? Oh, pas de problème, je pense que les tissus mous peuvent durer 80 millions d'années. Mais jamais ils ne se disent « Mais peut-être qu'on a tort. Peut-être que la Bible a raison. Peut-être que la Bible avait raison, que la Terre avait moins de 100 000 ans. » Tout comme les diamants, ils pensaient qu'ils avaient plus d'un milliard d'années. Et ils trouvent « Waouh, il y a du carbone 14 dedans, ce qui signifie qu'ils doivent avoir moins de 100 000 ans. »
Ils trouvent des os avec des tissus mous et ils se disent, ça ne devrait arriver que s'ils avaient moins de 100 000 ans. Peut-être que la Bible avait raison. Comment cela se pourrait-il? Parce que Dieu a eu raison tout le temps. La Bible n'est pas contraire à la science. La Bible est contraire à la fausse compréhension évolutionniste. Maintenant, oui, on sait qu'il y a des micro-évolutions, de petits changements qui se produisent au sein d'une espèce donnée ou au sein d'un genre donné. Mais c'est tout un autre niveau. Quand on dit que de petits changements les amènent à ce qu'un têtard puisse devenir un humain si on lui donne suffisamment de temps. Ces idées extrêmes qui ne correspondent pas, selon moi, à la science. Et la réalité, c'est que la Bible ne s'est pas trompée depuis le début. Ils commencent à voir, même si ils n'iront pas jusqu'à dire « Ouais, peut-être on a eu tort », parce qu'ils s'accrochent aux anciennes traditions. Mais néanmoins, la question que nous posons, c'est de savoir, voyons-nous ces choses comme la datation radiométrique, l'âge de lieu quand on regarde le Grand Canyon, l'âge des os de dinosaures, est-ce que c'est un fait scientifique solide ou est-ce que les scientifiques croient en quelque chose qu'ils n'ont jamais vu? Rappelez-vous, la foi, c'est la substance des choses espérées, la démonstration ou la conviction des choses qu'on ne voit pas. Donc si vous êtes convaincu que vous avez des preuves pour quelque chose que vous n'avez jamais vu, selon la Bible, nous appelons ça la foi. Et alors qu'on a parcouru ce séminaire, on voit les principes de base de l'évolution ne sont pas basés sur des données scientifiques dures et solides. Et ils disent « Oui, on pense qu'on a des preuves. » Oui, c'est vrai, ils ont des preuves pour quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Ce qui signifie, selon la définition, vous avez la foi. Et donc les créationnistes et les évolutionnistes se tiennent sur le même fondement. Et c'est la foi. En quoi allez-vous mettre votre foi? Allez-vous mettre votre foi en les manuels ou allez-vous mettre votre foi dans le manuel que Dieu nous a donné, la parole de Dieu? Celui qui était là à la création du monde, celui qui dit dans Psaume 33, versets 6 et 9, « Par la parole de l'Éternel, les cieux ont été formés et par le souffle de la bouche, toute l'armée des cieux. Car il parle et la chose arrive, il commande et elle existe. » Placerez-vous votre confiance dans la parole des hommes qui constamment s'avèrent avoir tort? Mettrez-vous votre foi absolue, sans réserve, dans les enseignements des hommes ou allez-vous dire « peut-être que je dois examiner davantage la parole de Dieu ». Il y a des réponses à nos questions. Et un homme semble avoir raison lorsqu'il cite son cas en premier, puis un autre vient et l'examine. Et vous découvrirez, quand vous vous asseyez à l'école, vous entendez ces choses, les professeurs parlent avec autorité, les manuels scolaires parlent avec autorité, et vous découvrez « mais en fait, il y a des réponses à ces choses ». Moi, quand j'avais 16 ans, 18 ans, 23 ans, j'étais assis au lycée ou à l'université, je n'avais pas toutes les réponses, mais il y a des réponses à vos questions si vous êtes prêt à regarder. Il y a des réponses si vous êtes prêt à étudier ces choses par vous-même, mais à la fin, vous allez devoir choisir quelle foi vous voulez-vous avoir. Quelle foi voulez-vous avoir? La foi dans la parole des hommes qui s'est continuellement avérée être faillible, qui s'est avérée être indigne de confiance dans de nombreuses situations, où allez-vous mettre votre foi dans la parole de Dieu? Nous allons voir, nous allons chercher, nous allons étudier, nous allons découvrir comment savoir que la parole de Dieu est vraie, légitime. Nous allons examiner ces choses alors que nous avançons. Mais je veux vous mettre au défi de prendre la Bible. Prenez la Bible, étudiez-la par vous-même. Ne faites pas confiance à ce que disent les autres. Oh, la Bible dit que la terre est plate. C'est ridicule, au contraire. C'est l'Église qui disait ça, pas la Bible. La Bible, en fait, parle de la terre qui est ronde. Examinons ce que dit la Bible, pas ce que l'homme dit à propos de la Bible. Je veux vous mettre au défi d'étudier les Écritures par vous-même. Je me souviens, pour être honnête avec vous, la raison pour laquelle je lis la Bible la toute première fois, c'est parce qu'un athée m'a mis au défi. En fait, il ne m'a pas défié, mais il s'est moqué de moi parce que je n'avais jamais lu la Bible. Et j'ai dit, oui, il a raison, c'est un peu ridicule, n'est-ce pas? Je devrais la lire entièrement. J'ai lu la Bible pour la première fois. La Bible a totalement transformé mon expérience. J'ai commencé à réaliser que beaucoup des choses que les gens prétendent être dans les Écritures, dans la Bible, ne sont en fait pas là. C'est beaucoup plus beau que je ne l'aurais jamais imaginé. Et donc, je vais vous mettre au défi d'examiner. Ne faites pas confiance à ce que dit le pasteur ou un prédicateur ou un ami ou même vos parents. Étudiez-la par vous-même. Apprenez à connaître les Écritures personnellement, le livre qui change la vie que Dieu nous a donnée. Est-ce que c'est votre désir de dire « Oui, je veux prendre la Bible, je veux l'essayer par moi-même » Est-ce que c'est votre désir? Inclinons la tête pour la prière. Père Céleste, nous voulons te remercier. Nous te remercions de nous avoir donné un livre qui dépasse tous les autres livres. Non seulement parce que c'est une œuvre littéraire incroyable, bien plus que cela, c'est un livre qui change la vie, que tu as donné aux saints hommes d'antan alors que tu partageais avec eux le message qu'ils ont
écrits sur des parchemins il y a des milliers d'années. Et ce n'est pas seulement des informations solides et précises, c'est le livre qui change la vie, qui nous révèle le Sauveur qui est venu dans ce monde pour mourir pour nos péchés et nous offre, peu importe ce que nous avons fait, peu importe le péché que nous avons commis, peu importe si nous avons renié comme l'apôtre Saul l'a fait avant de devenir l'apôtre Paul alors qu'il était Saul, il t'a nié. Il a combattu contre ta cause et il a essayé de prouver que tu avais tort dans tes enseignements. Mais un jour, alors qu'il s'est retrouvé face à face au Sauveur lui-même, sa vie a été totalement transformée. Je prie que nous puissions avoir cette expérience, même si nous t'avons rejeté dans le passé, que nous puissions ouvrir nos cœurs et dire « peut-être qu'il y a quelque chose de plus, peut-être qu'il y a quelque chose de plus à cette vie que simplement vivre pendant 60, 80, 100 ans et aller dans la poussière et c'est la fin. » Mais nous pouvons avoir un espoir dans un futur. Père, nous te remercions pour ton amour au nom de Jésus. Amen. Thank you.